Here we go now. Alors l'exercice est simple. Il y a ce groupe qui va engueuler copieusement, histoire de défouler son agressivité, la personne en face. Tu engueules. Non, c'est bon? Bon, alors vous restez en place, ça sent bien. Un cri. Ensuite, comme ça embêtait beaucoup les comédiens de crier comme ça et d'être reconnus, ils mirent des masques. Les masques au début étaient petits, tout petits, petits, petits. Puis, il devint très grand. De grands, grands masques. Et c'était bien commode, parce qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait, et bien souvent, n'importe quoi. La première improvisation, un pour thème. Bon, la piscine, vous n'avez pas... Qui c'est qui a dit la piscine ? C'est bien, on va faire un autre. Bon. Non, mais il n'y en a personne. Ne dites rien, les enfants. Ah, te voilà. Il prit ses palmes, son tuba, et il partit en exploration. Eh bien, c'est pas agréable. Mais oh là. Un peu particulier, ouais. Car il lui servait de stéthoscope. Parfois, il servait aussi de périscope. Mais là, on va voir un autre type d'improvisation, l'improvisation des manchots. Alors, il y a un personnage qui vient ici. Là, c'est rigolo. Bien ici, voilà. Et toi, tu te mets derrière. Toi, tu fais ses bras, voilà. Et toi, tu pars, voilà. Toi, tu viens ici, d'accord. Toi, tu fais ses bras, d'accord. Et toi, tu pars avec. Donc, on va prendre un thème qui s'appelle l'improvisation à la manière des manchots. Et en prison, donc, des bandits manchots. Voilà. Vous connaissez ça? Ça donne des boutons. Non, je vais te lever. Très bien. Voilà. Toi, tu fais sa voix à elle. Et toi, tu fais sa voix à elle. D'accord. On va prendre un thème dans le petit chapeau. Ah ouais, t'as l'air perdu, hein. Totalement perdu. Bah non, pas tant que ça. Mais c'est juste que ça m'énerve que TV Mag, ils arrêtent de mettre des trucs et d'engager. Ça n'a pas lieu. Très bien, vous pouvez applaudir. Très bien. Petit problème de patinage dans l'improvisation. C'est-à-dire que dans l'improvisation, on se parle, t'as l'air perdu, ou je suis perdu, ou t'as vu que t'étais perdu, ou on a vu qu'on était perdu. Ça s'appelle du patinage. Et t'arrêtes de boire pendant que je parle, s'il te plaît. Hein? Tu poses ton petite canette par terre et tu arrêtes de boire quand je parle. Sinon, rien. D'accord? Bon. Des oreilles de Pluto. Eh bien non, c'est plutôt des chaussettes d'invisibilité. Voilà. On prend un thème, la plongée sous narine. Bon, il y a peut-être écrit la plongée sous marine, mais j'ai pas envie d'aller au Front National. Donc... Oh, c'est pas possible.
10h. Top, top, top. Très bien. Vous partez. Évite d'arriver tout de suite la bouche ouverte dans la plongée sous-marine. La plongée sous-marine, tu arrives tout de suite la bouche ouverte, hop, tu bois quoi, tu coules. Repars, pas tout de suite. Ah, go, go, go. Go. Voilà, très bien. Hop. C'est pas possible, on m'avait réservé ma place pour que j'aille plonger. Ah non. Mais elle est là, votre place, je vous attendais justement. Installez-vous. Mais j'ai pas choisi un guide comme vous, j'ai choisi un guide normal, quoi. Mais un guide un peu fêlé, quoi. Je ne suis pas votre guide, je suis la pieuvre d'Antilles. Stop. Dans le chapeau, dans le chapeau, attention. Nadine Morano a-t-elle un avenir politique? Je suis le samouraï. Je viens du Japon. Et je viens pour me faire naturaliser français. Je viens chercher mes papiers. C'est ma vie. Ah! Putain. Voilà, c'est bon, là, son boulot, la comprends qu'on le comprend. Bonjour. Je cherche un bureau pour naturaliser le français. Ah, Victor, il n'y a pas mon conseil, là. Vous comprenez? Oui, je comprends. Et je fais quoi d'abord avec? Non, là, je ne comprends pas. Vous comprenez, là? Oui, là, je comprends. Là, je comprends. Ça marche. Ouais. Ça marche. Belle technologie fabriquée au Japon, c'est bon. Oui? Oui. Bon. De là où je viens, on me dit, y a-t-il de l'avenir? Donc Nadine Morano, c'est qui celle-là? Ben, je crois que c'est elle. C'est ma patronne. Moi je suis l'employée de bureau, mais... Vous reprenez la manière de la tragédie grecque, c'est pas des références à la tragédie grecque. Je suis oh là à côté du... Femme. Toi qui vends ces marchandises, qui est la responsable de cette échoppe? Quel est cet individu qui ose nous braver? Braver la nourriture! Controlus Hygiénas! Controlus Hygiénas! C'est bien, ça manquait de... Hein? Ah. Voilà, tu reprends, mais... Là, voilà. Ouais. Là, tu... Hein, l'autre qui fait... Ouais, très bien. Tu vas y aller tout de suite, dans 5 minutes, tu vas y aller. Ah ouais? Prêt? Top! Nettoyé avec Chrysothème, ah, bah, bravo. La traite des vaches normandes, très bien. La traite des vaches normandes. Chut, c'est parti. Mais sur le dos, c'est dur, hein. Calme-toi, Marguerite, calme-toi. Sur le dos, c'est ça dur. Ça fait pas mal, tu vas voir. Tu vas voir. Ça fait mal. J'ai peur de appuyer sur le bouton, Marguerite. Allons. Je te mets le deuxième tuyau. Non, pas le deuxième. Pas le deuxième. Attention. Hop là. Il n'est pas si. Marguerite. Une chanson douce que chantait ma maman. En ce sens douce. Quoi, ça va? Oh, je me gonfle. Ah, viens. Oh, je me gonfle. Ah, Marguerite. Oh, ouais, je suis toute gonflée. C'est bon. Ah, j'ai une belle fleur maintenant. Oh, là, on a croigné. Hop, pour les applaudir. Là au début, après toi c'était là, ici, là. Et bien parce que du feu, ça bouge, monsieur. Mais c'est... Alors, à ce moment-là, tu vois comme ça, regarde, tu vois, ah, regarde, il y a du velours, tu vois, ah, il y a du velours. Mais ça, c'est une vitre, ça, c'est une vitre. Ah, non, ça, c'est une vitre. Ah, le velours, non, mais quand on connaît pas le velours, évidemment, on parle. Mais on connaît le velours, parce que je vous ai laissé, voilà. Du théâtre, en prison, du théâtre partout, du théâtre qui nous divertit, qui nous amuse et qui nous instruit. Toi, tu fais un tai chi japonais
de folle Dieu, et vous derrière, dans une magie merveilleuse, vous la suivez comme la magnifique école de danse. Le théâtre. Ça a commencé par une partie de thé dans l'âtre en 1960. Enfin, avant Jésus-Christ. Alors, il a commencé avec des coryphées, des logorées, des je sais pas quoi d'autre. Et ça continue pendant des siècles. Il s'est élevé chez les Grecs qui font faillite. Ah, je mélange. Mais c'est ça le théâtre. C'est partir dans des cinquièmes dimensions à la rencontre du troisième type.